So, on est back, on est back, on est back. I hope je vais relancer l'invitation pour Dominique Tony. Ok. Voilà. Et comme elle nous disait, il était très important. It was really important for you guys, before you expect anything from a man, start with yourself. Yeah, start with yourself, with a full independent woman. Like, you can take care of yourself, you enjoy yourself, you know who you are. Attendez, je l'invite, hein? I'm back, my guest. Yes. Voilà, ok, oui. Ok, so, voilà. Alors, Sylvain, tu nous disais que c'était très important avant de trouver l'homme, c'était très important de know yourself, c'est ça, de se connaître, d'être independent, d'être une femme indépendante, de connaître ta valeur avant de chercher d'être avec quelqu'un. Effectivement. Know yourself before you know yourself, be fully independent, love yourself before finding someone else to do so. Et effectivement, donc il faut ce que je disais avant qu'on coupe. Quand vous rentrez dans une relation amoureuse avec beaucoup d'attentes, vous risquez d'être utilisé par la personne. Attends, tu as dit que quand tu rentres dans une relation avec beaucoup d'expectations, when you go into a relationship and you have a lot of expectations, voilà, l'autre il ressent. Il peut maintenant te donner ce que tu désires et une fois qu'il t'a tout comblé, il t'utilise maintenant. Tu deviens redevable envers cette personne qui a comblé tes attentes. Donc, il ne faut jamais rentrer dans une relation avec plus de besoins que des acquis. So basically what she's saying is you cannot... When you expect a lot from a man and you come in with, I need this, you would need to be like this, you would be like that, he will give you what you want. He will give you what you need. But then because he gave you what you wanted, now you are trapped. You are trapped because now you will feel like because of all this effort he has made, you must stay in this relationship. But that wasn't maybe his core values from the beginning. He just do what you ask, but that wasn't him probably. So you have to be careful for that. So, oui, effectivement, comme tu disais, que quand tu rentres dans une relation et que tu as beaucoup d'attentes, que la personne doit être comme ça, comme ça, comme ça, moi, j'ai besoin d'un homme qui soit comme ça. Quand cet homme te donne ce que toi, tu veux, tu vas devenir maintenant dépendant de ça parce que c'est ce que tu veux. Dépendant de cet homme-là. Mais ce n'est pas pour autant que cette personne-là avait ses atouts ou ses attentes-là naturelles. Donc, du coup, il t'a menti. C'est ce que tu veux me dire, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, pas forcément, parce que, regarde. Alors, comme par exemple, là, on va prendre un cas un peu particulier. Mm-hmm. Je sors d'une déception amoureuse. Je sors d'une relation où l'homme était violent, irrespectueux, infidèle, non romantique, tout ce qu'on veut du mal. Et quand je veux rentrer dans une nouvelle relation, je voudrais que mon nouveau copain soit respectueux, qu'il soit pas violent, qu'il soit fidèle, qu'il soit romantique, qui m'offre des fleurs, qui me lave les pieds, qui me fasse ceci. Alors, une fois que l'homme avec qui tu veux être n'est pas sincère dans son amour, détecte tes besoins, il va très vite les combler. Attends, hold on. So basically, we have an example of a person who has a very bad relationship, very bad one. Like, he used to be violent, disrespectful, and so on, and so on, and so on. Now that she's done with him, she's going to another relationship. And on that one, she has now brand new expectation. She wants someone who is not violent, who's going to give her what she needs. All the opposite from the past. And the guy, when he will see and perceive and understand what you need, he will now deal with you differently. Because you know what you expect, he can give it to you, but play with it at the same time. Carry on. Tu peux continuer. Et donc, une fois que lui, c'est comme si aujourd'hui, c'est... Attends, là, on a une très belle question de Couteau qui dit, est-ce que c'est possible de trouver un honnête et sincère
qui ne joue pas avec tes attentes. Est-ce que c'est possible? Ben, ce sera la bonne personne. Oui. Ce sera la bonne personne. Ça existe. Tout est possible. Mais tout est non, possible. Tout est possible lorsque. Alors, attends, maintenant, c'est possible. C'est possible. Mais tout simplement que toi, au départ, quand tu pars déjà avec un handicap qui est avoir ces besoins-là, c'est déjà une sorte d'handicap. Mais quoi qu'il arrive, l'autre en face ne sera plus jamais sincère. Parce que l'autre en face devient... You know what you're going to do? Because we're going to have to stop because otherwise I'm going to miss. Oh, sinon, je vais rater des points et tu parles des points très importants. Donc, je vais prendre point par point. Là, it's really important what she just said and I really want you to understand that. Is when you go in a relationship with a lot of expectations and that the person is aware of your expectations, the guy may not be sincere anymore because he has the key of how he can get to you. Voilà. If you continue. Et donc, du coup, l'homme se dit, je vais combler ses besoins. C'est un peu comme ce qui se passe en amitié. Je suis ami avec toi, mes doigts. Je viens chez toi, je demande le sel, tu me donnes. Je demande l'huile, je demande l'avocat, l'ananas, le drap. Ah, tu peux me passer ta couette, tu peux me passer tes chaussures. Et demain, en fait, je suis en train de perdre la valeur devant toi. Et un jour, tu me diras, est-ce que tu peux me gratter les pieds? Est-ce que tu... Ça, c'est important aussi. So, it's like when you are in friendship, friend zone, yeah? Can you imagine? That's completely natural. When you have to ask someone for salt, for anything, and he always give it to you, give it to you, give it to you. Someday or another, he lose the respect because he give you anything that you want. Carry on. Donc, continue. Et donc, un jour, cette personne-là, une fois que tu lui auras donné tout ce qu'elle veut, et bien là, tu peux maintenant la transformer en esclave. Parce qu'elle est consciente qu'elle a tellement reçu. C'est pourquoi les filles, comme les hommes, on ne rentre pas avec beaucoup d'attentes. Même si tu as tes attentes, tu ne viens pas montrer ta pauvreté sentimentale à un homme. Il y a des femmes qui sont pauvres sentimentales. So, this is really important because when you come with a lot of expectation and you show it to the man, and the man gives you what you need, you become dependent as well. And that is the problem. Because as you are dependent of what he gave it to you, you can't really see, you can't truly see the person, how he is naturally, because you give him all the tools. So women, it is very, very important that you go there, no problem, that you go there with, and be shy a bit. Don't show off everything. Don't tell him exactly what you want, la la la. Because he's going to play on that tools. He's going to play with those things. And you all see that. You all seen that. Quand un homme sait comment vous avoir, eh bien, il joue à la fin avec toi. Parce qu'il se dit, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Vous avez le secret avec un homme. Lorsque vous voulez le respect, on demande le respect, on demande l'amour, on demande la communication. Yeah. La communication. Mais qu'est-ce que toi, tu as à offrir, en fait? C'est quoi pour que ça arrive? Tu sais, on ne peut pas avoir quelque chose. Il n'y a que des gens qui ont joué au loto qui ont gagné. Si tu n'as jamais joué au loto, tu n'as pas gagné. En tout cas, ça, on rentre dans un autre sujet. Ça, c'est vrai. Mais ça, on peut discuter après par rapport à la femme. Ce que l'homme attend d'une femme. Mais je retiens vraiment le problème de when you show the expectation, quand vous montrez vos attentes à un homme, quand vous leur dites trop noir sur blanc, moi je veux pas d'argent, moi je veux que tu aies une voiture, à la fin, il va juste te donner. Mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné naturellement? Non. Si c'est pas naturel chez lui, un jour ou l'autre, ça va péter. Ça va péter parce que la vraie image va sortir. So what I'm saying is, sometimes you come in a relationship with a lot of expectations and the person understands and he knows that he can do this, he can do that and he give it to you. But he give it to you because you ask, but was it natural? And to tell you the truth, pour vous dire la vérité, c'est ce qui s'est passé dans une de...
dans la relation qui m'a ouvert les yeux, ma dernière relation. C'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux. Où moi, je suis venue, this is what happened in my past relationship, where I come as an independent woman. I know I can take care of myself. I know a man, that the man has to be like this, like that, like that, like that. And I'm sure, and I'm not going to go down for that. Et puis, on m'a montré ça aussi. Seulement, la personne, elle a tellement ramé pour être à mon niveau. He's a lot of, the man really tried his best, his hardest to fulfill my needs. I was satisfied at the end. And I said, oh, okay, he can do that. Maybe we can have a child together now. Et on a eu cet enfant. But à la fin, c'était trop pour lui. Because at the end, it was too much for him and he left. So if I was maybe not too demanding and not too whatever, and just wait, just be patient and wait and analyze how the person is acting, all of this would have been avoided. Donc si j'étais plus patiente et au lieu d'être là et dire non, il faut que tu sois comme ça, attends de voir si la personne, comment tu connais tes attentes. Yourself, you know what you expect. So you don't need to talk, just see and wait. Et quand tu vois que la personne ne se comporte pas de la façon dont toi tu aurais voulu, tu peux mettre un signal. You can start to talk and communicate and tell her what you really need. And if he still doesn't do it naturally, don't go further. Give it for somebody else. Don't go there. Yeah? C'est ça, en fait. Quand vous voyez que la personne... Effectivement. Oui, quand c'est ça, il ne faut pas rentrer dans le piège de « Oui, j'attends ça d'un homme. » Et quand vous le montrez, il vous montre ça, mais parce que c'est ce que vous voulez voir. Et vous vous faites berner, en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a naturellement. Ce n'est pas effectivement ce que vous avez, parce que ça, c'est des besoins que vous avez dans l'immédiat. Yes. Mais il faut penser après, parce que... Et quand tu es aussi avec un homme qui, toi, ne te mérite pas, tu rentres dans une sorte de souffrance. Parce qu'un homme qui mérite une femme, c'est-à-dire l'exemple que tu viens de donner de toi-même, c'est-à-dire que l'homme ne méritait pas une femme avec une très grande vision. C'est-à-dire, mettez-vous avec des hommes, vous avez à peu près le même niveau de vision. Sinon, après, malgré la communication, eh ben, tu deviens la femme qu'il faut abattre. Bah, écoute, tu en fais un peu trop, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais les femmes, il faut absolument s'armer. Parce qu'un homme a besoin, c'est-à-dire la femme, on la voit comme étant fragile. Même lorsqu'avec l'homme, ça ne marche pas, va pleurer dans les toilettes, ne montre pas, n'utilise pas tes larmes pour faire plier un homme. Ça, c'est l'arme des femmes faibles. Une femme fatale, on la mérite. Une femme fatale, c'est ce qu'elle veut. L'homme lui dit, ok, je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple. Une fois avec mon copain, attends, just one thing. So basically, it is really important that you don't show everything. And even if you have to cry, don't ask them by crying. No, you cannot show your weakness. Don't show your weakness because you want this, you're so desperate for that. Don't, because you have to wait that it comes naturally. A woman has to be humble. Don't show that you can do this, you can do that. No, stay. You need to know your place. So be humble. When you have the man, be humble. Let him do what he has to do to please you. And if there is anything that you need to share, just share it. Communicate. But don't show too much, because he can play with that. Oui, tu peux continuer, ma chérie. Et donc, du coup, avec mon copain, il me dit, je vais voir un ami, je reviens, on va au resto, ok? Et il part, il revient, il s'habille bien comme il faut, il se parfume et il sort. Et là, il me dit, écoute, on a une urgence, il y a un ami à l'hôpital. Donc, on va aller le voir, on annule le resto. J'ai dit, attends, moi, je sais quelle femme je suis. Mon frère, tu as annulé le resto, moi, je ne l'ai pas annulé. Je suis rentrée dans ma douche, je me suis habillée, je me suis maquillée, je me suis habillée sexy, j'ai fait... appel vidéo audio de Google, là, tu vois. Tap. Et me dit, j'ai dit, tu m'avais dit qu'on ira au resto. Moi aussi, je vais voir une amie qui est à l'hôpital.
On se retrouve à l'hôpital. Elle me dit, tu bouges pas, j'arrive, bouge pas. Je te dis, bouge pas, j'arrive, je descends tout de suite. Et le fils, ça veut dire tout simplement quoi? Quand l'homme te dit, oui, j'ai changé de type, oui, ah oui, mais tu te rends pas compte, j'aurais dû faire, non! Il te met un but, tu mets un but. Le respect vient comme ça. Si moi, je l'avais supplié, chérie, tu sais, non. Claire, t'es sortie, moi aussi, je vais sortir. Et lui, il a très bien compris que non, je ne peux pas. Je ne peux pas trop jouer avec celle-là. So, éviter, et pardon, éviter de mendier l'amour. La personne qui ne se rend pas compte que vous méritez l'amour, vous lui dites de pousser, mais vraiment de libérer. Hein. Mais vraiment de libérer la place. Parce qu'une femme qui mérite l'amour, on ne peut pas lui dire, écoute, tu te prépares, je viens te chercher. Tu m'appelles, tu me dis, tu as changé de programme. Et moi aussi, j'ai un autre programme. Et là, l'homme a très bien compris que moi, pour aller au resto, je n'ai pas besoin de lui. Et le respect s'impose. Sans pourquoi je le dis. I love it. I love this story. Let me share it with the world now. So, she talked about her own testimony regarding this. So, she's supposed to go to the restaurant with her boyfriend, with her partner, actually. But the partner just dressed very good, put some perfume and so on. And then he just left. Not to go to the restaurant, but to visit a friend in a hospital. And then she was like, come on, I thought we were going to the hospital, but the guy just left. And then he called her. And he said like, no, I need to see a friend in the hospital, so I cannot see you. So what she said, instead of begging for his love, begging to come back, she said, okay, fair enough. She went to the bathroom. She had a nice shower, put her most sexiest outfit and give him a video call and say to him, listen, you may be gone to see a friend, but I'm still going to the restaurant. I need to go to the restaurant as we plan. If it's not with me, it'll be somebody else. And you say, no, you can't go nowhere. You have to wait for me and I am coming. So all of this to say what? Is to say you do not beg. Do not beg for love. Don't beg it. You need to make yourself clear. It means like, you want to play that game? Fair enough, I can play too. So if he does this, you're there until you reach to an understanding. Comme elle a bien expliqué, quand un homme, il ne faut surtout pas beg, mendier l'amour, mendier l'attention. C'est des choses qui doivent venir naturellement. Alors ce que vous faites, vous prenez les choses en main. Vous devez sortir, il ne veut pas vous faire sortir. Eh ben, sortez. Faites-vous belle. Allez voir vos amis, sortez, faites vos choses toutes seules. Pour que la personne commence à comprendre. Parce que des fois, trop parler peut tuer. Si vous ne dépendez pas de lui. C'est ça que les hommes aiment. Quand tu viens dire, oui, tu sais, tu m'avais promis, excuse-moi, tu te rends pas compte. Ma chère, tu t'habilles, tu te fais belle, tu sors. Et quand tu vas encore surenchérir, tu copes ton meilleur ami, t'es un pote. Tu lui dis, de temps en temps, tu m'appelles. Ah, c'était qui? Oh, c'est un emmerdeur, laisse tomber, il ne faut même pas la peine. Et il t'arrive même pas à la chérie. Sylvain, even telling you the way to play games. Well, let your friends call you, your male friend call you to make sure that he knows that you're not on your own. So then he will think automatically that, oh, I need to pay attention to this. I need to do that because otherwise I'm about to lose her. Je vais la perdre parce que je vois qu'elle a d'autres amis. Je vois qu'elle sort beaucoup. Alors vous aussi. Et c'est donc, vous évitez même les arguments, les problèmes. Parce que vous faites même pas de mal. Tu vas agir comme ça, toi aussi, tu n'as pas son temps. D'où l'importance de se connaître, l'importance de se donner de la valeur soi-même. C'est très important. C'est très important. On va passer maintenant, quand même pour vous les hommes, parce que je sais que vous avez pris du temps à nous écouter. On va vous donner maintenant des points très importants qu'il ne faut vraiment pas oublier quand vous êtes en couple. Si vous voulez vraiment avoir une très belle relation, une relation moins durable. Bon, on vous a parlé de tout, beaucoup de choses. On a commencé
avec la compréhension, le respect, mais plus fondamentalement parlant, we need to feel love. A woman need to feel the love. C'est aussi simple que ça. Pas qu'elle, bien sûr qu'elle sait qu'elle est belle, bien sûr qu'elle sait qu'elle est marrante ou etc. Mm-hmm. Mais comment vous, vous lui faites ressentir qu'elle est là, en fait. Ça, c'est un problème. Mm-hmm. Il faut penser un peu à votre comportement quand vous êtes avec la personne. Parce que c'est facile de dire, oui, mais je viens te chercher après travail. Non. Parce que tu peux venir la chercher après travail, mais est-ce que tu lui dis bonjour? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu lui mets la musique qu'elle a envie d'entendre? Est-ce que non, tu peux venir la chercher et puis écouter, parler au téléphone avec tes amis? Alors, faites-lui ressentir qu'elle est belle, qu'elle est bien. Attends, mais Noir, une petite idée qui me vient à l'esprit. Alors, ça aussi, c'est une histoire vécue. Un jour, je rentre du travail, mon homme fâché, mais fâché. Il me dit, assis-toi là, il faut que je te parle. J'ai fait, mais laisse-moi moi boire un verre d'eau. Oui, il faut que je te parle. D'accord, mais calme-toi. On va parler, on a toujours parlé. Donc, je m'installe, il parle. Il dit, écoute, est-ce que je peux aller prendre ma petite bière? Donc, en fait, tu te fous de ma gueule. J'ai dit, non, attends, je ne me fous pas de ta gueule. Toi, tu es fâché, je ne suis pas fâché. Puis, j'ai envie de boire quelque chose. Tu continues à parler, moi, je veux ma petite bière. Pour l'instant, j'ai envie de la bière. Toi, tu as envie de parler. Alors, vas-y, ok, je prends la bière. Je prends une canette, okay. Je commence à boire, juste pour l'énerver en fait. Je commence à boire et quand j'envoie un coup, c'est fait, j'ai dit, attends, oh, vas-y chérie, excuse-moi. Ah, je t'assure, tout de suite il a compris que je n'avais rien à foutre de ce qu'il m'expliquait. J'avais mes propres problèmes, il venait de m'expliquer ses problèmes. En fait, il m'aurait dit, chérie, j'ai envie de te parler, j'aurais été plus attentive. Et là, bam! Assieds-toi, faut que je te parle. Et là, quand il est énervé, les filles, moi, je vais mettre la table. Je lui dis, viens, mange. Mais j'ai pas faim. Il dit, c'est chacun son estomac. Tu crois que je... Bébé, pourquoi tu manges pas? Bébé, les filles, non. Ta femme manger, il veut pas manger, mais tu manges. I like this one. So basically, she just shared a story that she just remembered that. Basically, she was, her man just came back from work and he was very pissed off. And he said to her, stop everything. I need to talk to you. This is what happened to me. And she said, no, because herself, she had a very good day and she did not want to mess it up. And she wanted to drink, to have a drink, a beer. So she asked to have a beer and he was like, what the fuck? But she still carried on to get the beer. And then she started drinking. And he was like, what the fuck? You're supposed to listen to me. You're taking the piss or something. And she said, no, but he actually understood that that wasn't her priority. Just like that, simple as that. It wasn't her priority. So it's a way to tell you one thing, men, again. C'est une façon de vous dire aussi que avant que vous avez des besoins urgents, pensez à la manière dont vous allez vous exprimer. Parce que c'est pas un ordre. C'est pas parce qu'on est une femme, on est votre femme, que tout de suite vous devez. On doit s'arrêter. La tête s'arrête. Monsieur parle. C'est pas comme ça qu'on est en relation. S'il faut parler d'une manière. Monsieur pas, toi tu bois de la bière. Monsieur pas, tu sirotes ton champagne. Mais tu n'as rien à foutre parce que la communication, c'est en s'entendant absolument en parler. C'est deux personnes. You're completely right about that. So communication is between two people. So to make sure that the person will listen to you, pay attention to your words, to your body language and all these things before you start explaining your issues. So, ça pour ça, justement, les filles, prenez votre papier et un stylo. Il y a un bon, bien livre pour ça. Et ce livre, il est en anglais, ça s'appelle The Five Love Languages. Je crois que Samantha, tu es toujours avec nous. C'est les langages de l'amour en français, c'est ça? Rappelle-moi. Je crois que tu connais ce bouquin, Le langage de l'amour. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà. Ça, c'est de Gary Chapman. Et en fait, avec cet auteur-là, il va vous apprendre à décrire le body language, à décrire les mots qui veulent dire quelque chose.
qui a un message caché derrière. Il te parle de cinq langues, c'est-à-dire acts of service. So, c'est quoi le mal à dire je t'aime. L'auteur c'est qui? L'auteur c'est Gary Chapman, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Ah mais j'ai lu un livre qui est super super intéressant. Et comme j'en ai tellement, tu m'accordes une seconde, mais c'est très très super. C'est pour le même auteur. Deux secondes, tu le ramènes, Gary. Ben pour l'instant, I'm gonna tell you guys. For the English speaker, you have this guy. Please check on him. His name is Gary Chapman. Alors, Gary, G, like golf, A-R-Y, and surname C-H-A-P-M-A-N. And the book is The Five Love Languages. So, alors, je pense que c'est sa femme peut-être qui a écrit, tu vas m'excuser. Ça doit peut-être être sa femme. En tout cas, lui, il va vous aider à comprendre, en fait, le langage de l'amour. So, for when you figure, no, she never loved me, but there is some behavior, some action will actually tell you the opposite. So, il faut vraiment lire ce bouquin parce que peut-être ça va vous aider à vous-même. Il y en a un autre, mais elle, c'est Annie Chapman. Je veux regarder s'ils n'ont pas un lien. C'est que toute femme voudrait que son mari sache. Et j'ai lu et relu ce livre. Je vous assure, c'est bah, Annie Chapman. Remontre-nous ça bien là. Ouf! Ok, tu vas m'envoyer ça en écrit, comme ça je vais le partager. D'accord, c'est Annie Chapman, et je ne sais pas s'ils ont un lien avec Gary Chapman, il se pourrait. En tout cas, ça c'est quelque chose à bien apprendre. Alors, quand tu parles des five languages, il dit l'act of service, physical touch, parce que souvent mm-hmm. ce n'est pas que les mots, le physical touch, c'est-à-dire le petit bisou sur l'oreille, la joue, les petits mots doux, le petit toucher, le sourire, le clin d'œil, les positions. Toutes ces petites subtiles, hein, c'est au toucher. C'est juste au toucher. Et ça va montrer que vous aimez votre partenaire. Mais si vous êtes gangsta, bisous à vous deux. Oh, merci, photo. Oh, merci, Fatou. Il y a une chose que je fais souvent. Alors, maintenant, il y a une chose que je fais souvent. Mm-hmm. Quand j'ai envie l'attention de mon homme, mm-hmm. eh ben, je me mets en nuisette et c'est là où je fais le nettoyage juste devant lui. C'est-à-dire que là, je nettoie tout ce qui est bureau, tout ce qui est télé et ça fonctionne les filles. Franchement, ça fonctionne super bien. Parce que l'homme n'aura... Voilà. Donc, de l'attention, ça se cherche, c'est quelque chose. Tu fais attention à toi, des petites choses, et tu attires son attention. Et quand tu attires son attention, en fait, il vient. C'est ce qu'on oublie parfois. Mm-hmm. On croit qu'il y a toujours l'homme qui doit faire. Non. Moi, quand j'ai envie de mon homme, je te dis, je te donne 5 minutes, il me suit. OK. Just for people, I say that basically... there is these five languages. The five languages that Gary Chapman is talking about is the act of service, obviously the actions, but also the physical touch, where we were staying, like kissing you in the chairs, in the ears, touching you in your shoulders, give you some random kisses, but also when you want to attract him as well, women. Especially you women, wear your lovely best nuisettes, your pajamas, but very sexy ones, and start to do some cleaning in front of him. You know what I'm saying? So you wash the TV, and you have something short. You show your boobs a little bit. You show that. Be sexy around your man, and trust me, he will know you love him. You want to catch his attention. So this is a kind of love language. So don't forget that one. It's also obviously quality time. Quality time with your man. Les five langages de l'amour. De l'amour. On parle vraiment quality time, c'est-à-dire que spend some time with your woman. No, okay, spend some time, you go to cinema. Yes, it's okay, it's good, it's very good. It's better than nothing. Like you must
find some time with your woman, especially when you have kids. You need just a space between you and her where you sit down quietly and you start to talk about maybe your childhood, about what you wish to do in 10 years and things like that. But something intimacy moment with your partner. This is something you need to be able to share and to do with the other house. Because if it's only to have sex, it's getting boring after a while. So be able to share quality moments with your wife. And then there is the world of receiving gifts. Obviously, you need to give her some stuff, some perfume. But it's not only, vous devez offrir des choses à votre femme, à votre conjointe. Mais ce n'est pas toujours les plus expensive, les plus chers. C'est aussi, ça peut être une tasse, il y a écrit son prénom, ou une rose, des fleurs, quelque chose de subtil. Mm-hmm. Mais vous l'avez fait, vous l'avez acheté. Et vous l'avez donné, c'était pas le jour de son anniversaire, c'était pas la fête des mères, c'était juste une attention. Hein? Donc pensez à ces choses subtiles. Donc je vous invite vraiment à lire ce bouquin qui est The Five Languages of Love, The Love Language, de Gary Chapman. Et après on parle aussi bien sûr de words of affirmation, like we, I think that you're beautiful, you are amazing. Oh, you did so well. You know, quand vous approuvez votre père, votre moitié, vous lui renforcez sa confiance en soi, en elle-même, c'est quelque chose. Et ça, Gary Chapman. En fait, vous devenez un antibiotique. Et attends, comme il a dit mon ami Niska, bye bye, bye bye, bye, elle veut que je sois son médicament. Et c'est ça que la femme cherche. Elle veut que son mari soit son médicament. Un anti-douleur. Un anti... I'm just telling them because if you're like, what the hell is she talking about? Who's this guy? Niska is a French rapper that I really like, this little boy, because he's talking about one song, which is, I don't forget, but he keeps saying that he want, the woman wants her man to become his medicine. So his remedies, that's the thing that a woman wants. Le garçon, l'homme de sa life, son homme, sa moitié, il doit être capable d'être son médicament. C'est pas joli ça? Is it not nice? I think it's really nice. Dès que tu as mal à la tête, il vient, il pose ses deux doigts. C'est fini. Et il y a des femmes aussi qui se guérissent avec une carte bleue. Faut pas les oublier celle-là, faut pas les oublier. Ah ben oui. Mais aussi ce problème aussi, parce qu'on vous dit les hommes, hein, c'est très important que il faut savoir l'homme avant d'aller chercher la femme. You need to know how to self-regulate. C'est-à-dire que vous devez apprendre vous devez être flexible. Si vous avez des sales habitudes à cause de l'autre personne, faut apprendre à changer quand même. Quand il y a des choses qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire, ne les faites pas. Il ne faut pas prendre l'orgueil pour dire que elle croit que quoi, bon, c'est moi l'homme, je commence, c'est toujours comme ça, je ne vais jamais changer. Dans ce cas-là, restez tout seul. Mm-hmm. I mean, in a relationship, you cannot, as a man, you mm-hmm. have to change some way or another. You need to compromise, of course, but you need to try to change for the better. You need to be able to change for the better. So you need to be able to take criticism and make action plan to make it happen. Donc vous devez être capable de prendre les critiques, les analyser et travailler là-dessus pour apporter le changement. Ça, un homme doit être ça. C'est même parce que vous le faites même dans le travail. You know, people doing it even at the workplace when if they do a kind of a review, you know. Quand tu es au travail, après une certaine période, on va te... En tout cas, en Angleterre, hein, j'étais manager, c'est ce que je faisais avec mon staff, je faisais un review, c'est-à-dire que j'analyse ce qu'ils ont fait en 6 mois. Et maintenant, il y a des choses qu'il fallait changer, il y a des choses qu'il fallait qu'ils progressent, et il y a des choses qu'il fallait qu'ils travaillent, obviously. Donc, c'est la même chose qui se passe à la maison. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous avez remarquées, maintenant, vous avez fait un bon moment ensemble, il y a des choses qu'il faut vraiment actionner. Et il faut en parler, il faut en discuter. Et sur ces choses-là, il faut travailler là-dessus pour les changer parce que ce sont des choses qui vont vous permettre de consolider votre couple. Donc, ça ne sert à rien de garder gros cœur.
avoir beaucoup d'orgueil pour dire que moi, je ne vais jamais changer parce qu'elle me demande. Il m'est même arrivé d'avoir dans mes past relationships, des gens qui disent, plus tu me demandes à faire ça, moi, je le ferai. Je le ferai. Ok. Je vais devoir vous laisser, Benoît. Il y a un appel urgent à prendre tout à l'heure et au prochain numéro. Par contre, tu programmes un numéro entre femmes. Comment? Okay. Avec tout ce qu'il faut, j'aurai des petites choses à vous montrer, des petites. Ça sera chaud, les filles. Invitez vos amis ces jours-là. D'accord, d'accord. No problem, no problem. Merci pour ta participation. Je t'en prie, c'était super. Allez, bisous, à très bientôt à tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Je suis toujours là. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Alors, comme je vous disais, il ne faut pas garder. Là, on est arrivé dans la partie où on parle des solutions pour vous, les hommes, à réfléchir et à travailler sur vous-même. Ne le prenez pas mal si votre conjoint vous demande de faire quelques changements. Ne regardez pas parce qu'elle a l'habitude, non, parce que regardez si ça peut vous apporter. Parce que forcément, rien n'est garanti. Ça ne veut pas dire que vous allez rester avec votre conjoint pour la fin de la vie, mais il faut au moins apprendre d'une relation. Donc, s'il y a des choses qu'il faudrait que vous changez, changez-les. So, what I'm saying is, as a man, when a woman tells you that something needs to be changed on you, it's always for the better. And you are strong enough and grown man enough to know that it's only for your own good. So don't go with pride and say, no, I'm not going to change. It's been a time where I heard some man telling me that the more you're asking me to do this, the less I will do. This is childish. Excuse me. This is childish. No wonder why we are not together. Because no, you need to learn to change for the better. So if you know that the things that she asks you to do, it will be good for yourself, just do it. C'est ça, donc c'est un problème. Non, il faut aussi apprendre à se self-regulate, ok? Il y a aussi le understanding et forgiveness. Ce sont des qualités que les femmes recherchent. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à les comprendre. Et s'il y a eu un problème, il faut apprendre à pardonner. Et c'est ce qui est très difficile parce que souvent, on ne s'y attend pas et ça fait mal. Et on regarde inside dans nos cœurs et on a du mal à pardonner. On ne sait pas par où commencer. Et du coup, comme on garde dans le cœur, dès que ça va bien ou qu'il y a un petit truc qui dépasse, on ressort, on recrache ça à la gueule. En gros, et ça, ça fait mal. Donc, arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Apprenez à pardonner pour passer à autre chose dans votre vie. Peut-être on va me dire, mais comment on fait pour pardonner? Eh bien, pour apprendre à pardonner quelqu'un, surtout quand on veut commencer une nouvelle relation, il faut savoir qu'il y a des petites stratégies. So, when you want to know how to forgive someone, you must know that there is some process, hein? Some process for you to do it. Déjà, on parle de trouvez-vous un endroit calme pour commencer. You must find a place where you have peace to think, not to have a lot of people around you, pas avoir beaucoup de gens autour de vous, ça ne sert à rien. Si vous avez besoin d'un moment pour vous retirer, pour y penser, faites-le. Parce qu'il ne faut pas vous distraire parce que les gens sont là en train de vous mettre la pression que oui, elle est mauvaise, ce n'est pas ce que vous avez besoin. Vous voulez pardonner, alors retirez-vous des gens qui vont vous mettre la pression inutile. Il y a aussi refrain from throwing an error of mistake, ce que je vous disais tout à l'heure. Don't throw back the same mistake on her all the time. Donc, il y a beaucoup d'hommes, comme des femmes aussi que je ne dis pas, que je ne mens pas, qui à chaque fois, dès qu'il y a un problème, elles vont te rajouter les problèmes de jadis. C'est-à-dire que ce que tu as fait il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou il y a même 2 mois, elle va te le recracher à chaque fois. Et ça devient une musique, tu ne l'entends plus. Ça, arrêtez. Arrêtez tout simplement. You cannot always tell them what went wrong all the time. For the same mistake, all over again and again. No, you have to learn to move on. Yeah, so it's no point for you to keep as telling her the same thing all the time. That's not the right thing. It's not gonna, there is no benefit. It's only hate that you're gonna gain. Et puis aussi, apprendre, you need to accept that you may never know the truth. Especially quand vous avez eu un problème dans le passé, c'est-à-dire que la personne a cheat on you. C'est une personne vous a trompé avec une autre meuf ou un autre gars.
Et ça, ça fait mal dans le cœur. Et des fois, on dit non, j'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Mais des fois, on ne va jamais te le dire. Et ça, il faut l'accepter. Parce que des fois, c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne l'oubliez pas. Alors, il faut se concentrer sur le futur, sur votre vision d'ensemble. Pas sur le passé, sur le petit truc qu'il a fait. Même si c'était, il t'a trompé. Mais il y a toujours des circonstances qui font que. On ne demande pas de pardonner à chaque fois, mais il faut être réaliste. Parce que quand la personne trompe, il y a souvent, c'est des deux côtés. Il n'y a pas que non, je l'ai tout donné, j'ai tout fait. Peut-être à tellement trop donné que finalement, il ne s'intéressait plus à toi aussi. So sometimes when someone cheats on you, it's for a reason. Mais if it's sexually or something, there is something that he can't find in you. And maybe the love that he has for you is very hard for him to tell you the truth. So you have to accept that sometimes you will never know the truth. And move on. You need to maintain a good balance on what you want and what he can give it to you. You see? Because everyone in relationships, it goes both ways. Yeah? So if he can bring something to you, that's the essential because you can bring something to him as well. So ça, c'est important. Il y a aussi, tout ça, c'est des petites astuces pour que vous puissiez apprendre à pardonner l'autre. Parce que ce n'est pas la peine de rentrer dans une relation avec une femme si vous-même, il y a certains travaux que vous ne savez toujours pas faire. Et là, on parle de forgiveness, on parle du pardon et de comprendre l'autre. Il y a aussi, il faut être patient. You have to be patient with yourself and with herself as well. C'est-à-dire qu'apprenez à être patient. Ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix qu'elle fasse comme ça, qu'elle soit comme ça ou qu'il soit comme ça, qu'il soit, hein, qu'il faut que ça fasse là tout de suite. Non. Relationship, c'est même long. Les relations, là, le mariage et tout ça, c'est du long terme. Donc, on ne peut pas être dans le speed. On ne peut pas être dans la rapidité que c'est là tout de suite. Non, il faut savoir se montrer patient. Respirez un bon coup. Prenez du recul, mais donnez l'espace à l'autre pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse vous pardonner. Même si vous l'avez trompé une fois et toujours, oui, mais tu vas me tromper, tu t'as trompé. Oh, mais arrête de me sortir ça tout le temps, tu vas me dire ça là, là. Et elle a le droit, elle a absolument le droit de vous le dire de ce côté-là. Je ne peux pas mentir parce qu'on reste être humain. Parce que si elle vous en parle, c'est qu'elle n'a toujours pas digéré, en fait. Elle n'a toujours pas digéré. So you must be patient. Because the more she be talk about the issue that you had, it means she still didn't digest it. So she needs more time. And for you to, don't think like, oh, c'est impossible, je ne peux pas la supporter parce qu'elle parle tout le temps de ça. Is maybe a sign for you to do something else for yourself. In terms of, c'est aussi le temps pour vous de faire quelque chose d'autre. Dans le sens où, changer de technique ou de tactique, faites des choses qui vont la mettre en confiance aussi. Changer, rentrer à l'heure, invitez-la chez des potes aussi, il faut lui montrer aussi votre entourage, et peut-être que ça va la mettre en confiance de nouveau. Donc, faites des choses ensemble. Et ça, il faut apprendre à le faire avant de rentrer dans une relation. Il faut savoir avoir un plan d'attaque qui dit que, ah, si je suis avec une femme, il faut que je sache faire ça, faire ça, faire ça. Mais pour le faire, il faut être en paix avec vous-même. Yes, I said I'm done here. Okay, what's up? Hey, girl, what's up? So, et puis, bien sûr, hein, si vous n'y arrivez pas, ben, allez voir a counseling, hein. Des professionnels qui peuvent vous aider à pardonner parce qu'il faut que ça sorte parce qu'on ne peut pas rester toujours avec le gros cœur. Si, surtout quand on aime la personne, on va pardonner un jour ou l'autre. Alors, après, bien sûr, comment vous pouvez demander le pardon? Ça, c'est important. Il faut savoir comment demander pardon à l'autre. Surtout quand vous voulez avoir une relation saine, you must know how to ask for forgiveness. Ça, c'est important. So, to do so, you need to show true contribution, true remorse and pain to your partner. Il faut lui montrer que vraiment vous regrettez. Il faut lui montrer avec des actions, avec des airs. Je veux dire, même s'il faut pleurer, mais il faut qu'elle ressente que vous le regrettez. Il ne faut pas faire si oui, je l'ai fait et alors. Ça, c'est pour attiser le feu. Don't go there and be showing off like, yes, I did it, so what? No. If you really love and respect the person, this type of behavior shouldn't be there. You get me? So bear in mind. Et puis, il y a aussi, be willing to make a commitment to not hurt your partner again by repeating the hurtful behavior. Quand vous dites, non, je ne vais plus le refaire, il faut vraiment
pas le refaire. Arrêtez de vous dire que, ah, prochainement, je ferai mieux. Non, forcez-vous. Il faut vous parler à vous-même. Vous ne pouvez pas rentrer. Une femme attend beaucoup d'un homme. Mais avant tout, là, il faut vous connaître. Sachez que si ce genre de moment arrive, qu'il faut que vous appreniez à dire pardon, sachez comment le faire. C'est pour ça que je vous donne ces tips. It means like, if you know you're going to go into a relationship, you need to know how to ask for forgiveness if it does happen. Yeah? So that's why I'm giving you all these tips. So listen carefully. That is the part two of the thing. Otherwise, you're going to have to go back to the part one where we discuss about this. Et puis, bien sûr, to be patient and is have a plan is all necessity. And then we call about real conversation. Avoir une vraie conversation avec une femme, ça, c'est quelque chose que les hommes ne savent pas. Parce qu'ils aiment montrer qu'ils sont forts, ils aiment montrer qu'ils connaissent des choses et tout, mais être un peu humble, ça, ils ont du mal. Et si vous voulez avoir une relation qui est bonne avec une femme, il va falloir que vous vous ouvrez. Parce que la femme, c'est ce qu'elle attend, qu'elle sente que vous êtes vous-même avec elle. Donc, you have to show some kind of humility and having some real talks. Et the real talks, c'est simple. Parce qu'il y a des gens, you heard sometimes that they don't know how to share their view, their past. It's very hard. You can talk about everything, but not the past. Why? So if someone is not able to open up to you, it means there is a problem with himself. Donc si vous-même vous voyez qu'il y a un problème, vous n'arrivez pas à vous ouvrir avec une personne, c'est un problème déjà. Alors ne rentrez pas dans une relation, ça ne sert à rien. Vous devez être capable de parler de vous-même, de vos plus profonds, hein, les plus profondes bêtises ou passées de ce qui s'est passé dans votre vie, vous devez être capable d'en parler avec votre conjointe. Si ça, vous ne savez pas vous ouvrir, ça va être chaud, c'est chaud. Il y a aussi, on en a parlé de quality time, on en a parlé d'entendre, mais une femme a besoin d'être écoutée, être entendue. Et ça, c'est sometimes, c'est ce que les hommes, ils oublient beaucoup. It's not easy to be with a woman, I understand. Okay? And you guys can talk to me as well at the same time if you want to. C'est très difficile, especially if the woman is really demanding. C'est très difficile d'être avec une femme, et surtout si elle en demande beaucoup. Alors pour ça, il faut être ouvert. Il faut être prêt. Il faut regarder, il faut que vous sentez, you must be ready, you need to look deeply on what you like in about this woman. Yeah? Ce que vous aimez chez cette femme. Rappelez-vous de ça. Parce que quand les moments vont être difficiles, il faudra vous rappeler de ça. So when you have some real talk, you understand that this woman is nice, so I must pay attention to this. Et ça, c'est important. Il faut savoir donner de l'attention à cette femme-là. L'affection, on a parlé, quand il faut donner des petits bisous et autres, vous avez compris. Maintenant, à vous les hommes à comprendre une chose. Parce que des fois, il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans des nouvelles relations et ils n'ont toujours pas compris c'est quoi les bails. C'est-à-dire que, ouais, ma femme, elle m'a trompé ou mon ex, c'était comme ça, comme ça. Mais ça n'a toujours pas identifié quel était le genre de la relation. Est-ce que vous, ils still don't know how to identify the type of relationship they had in the past? Ils savent toujours pas. So, vous avez des relations où vous êtes deux, il y a deux types. On parle, ça c'est une psychologue qui s'appelle Helen Hatfield and she describes two types of relationships. Romantic love. C'est-à-dire que quand vous pensez aimer quelqu'un, parce qu'il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils ont été amoureux, qu'ils ont tout fait pour cette femme, j'ai tout fait, j'ai acheté une voiture, une maison et tout ça, mais elle en avait rien à foutre de ma gueule. Alors, quand je vais avoir une autre femme, je ferai pas tout ça. There's some men that come with this type of behavior, like, of thoughts, like, oh, I've done everything for that woman. I buy her house. I give her a car. I've done everything, but she still don't give a shit, and she let me down. So for that type of thing, you need to analyze. Guys, don't be dumb. Il y a des hommes qui aiment trop quand la femme te laisse. C'est-à-dire que when the man is too in love, too passionate about the woman, but the woman doesn't give you this love back. So quand vous voyez que les actions ne suivent pas, arrêtez d'être aveugle. Arrêtez d'être imbu de votre personne. C'est que vous rentrez dans un amour à sens unique. Il n'y a que vous qui donnez. Donc quand il y a ce genre de personnes qui viennent ou qui vous demandent la lune et que vous donnez la lune et que la personne au retour ne vous donne rien, c'est qui s'est fait avoir?
So when you have the type of person who give everything to the woman, but even the moon, but the woman doesn't give you shit, guys, you did waste your time. But it's just not because she was clever. It's just because you didn't want to see the signs. So when you go into a new relationship, you have to be patient. You have to be understood. You need to know and perceive her, how she looks like, what she does, on her habits, what she wants, and see if you can naturally deliver her needs. You get me? So there is also the problem in recreated love and recreated love. And why I'm talking about this type, quand on parle de l'amour à sens unique, quand on aime trop une personne, et puis quand on n'en a rien à foutre de la personne, mais la personne vous aime. Ça, c'est très important de le définir, parce que c'est ça qui va jouer sur votre prochaine relation. Vous devez être capable de savoir que quand vous donnez trop d'amour et que vous n'en recevez pas, comme on dit, l'amour rend aveugle, ça crée des séquelles pour la prochaine ou pour le prochain. Alors, vous devez savoir vous situer. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre à rentrer dans une relation, vous devez vous connaître. Vous devez savoir comment donner de l'amour, comment communiquer, comment dire ce que vous pensez et ce que vous ne pensez pas. Comment dire ce que... You need to be able to express yourself to the lady. Tell her what you like and what you don't like without having argument. If you keep having arguments, si vous avez toujours des disputes, it means there is a problem. This is signs that needs something needs to be done. It's not a sign because we keep arguing all the time. I can't take no more. We're gonna end this the relationships. This will be the end of the world. C'est pas ça. C'est pas parce que vous avez beaucoup pris l'habitude de vous disputer que il faut end the relationship. Non, because si vous voyez qu'il y a des signes de dispute, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut que vous travaillez ensemble. Donc, quand vous travaillez dans une relation, des choses qui vous déplaisent, il faut prendre du recul. Il faut prendre peut-être un break, mais il faut prendre du recul aussi dans comment nous, on agit, comment nous, on parle à l'autre. Et ça ne fait pas de mal. Les relations, c'est très difficile. Mais c'est pour ça, soit vous faites comment, vous restez tout seul, comme ça vous êtes en paix avec vous-même, quand vous serez prêt à donner du temps à l'autre, vous allez rentrer dedans. Mais si vous n'êtes pas prêt dans ça, là, vaut mieux rester tout seul. Ne fatiguez pas l'autre, parce que c'est de l'énergie. When you're in a relationship with a woman, it could be nice. But if you are not ready, you're going to waste your time. You're going to waste your time. So you really have to play the game of the friendship first. For her to see, vous devez vraiment jouer la carte de l'ami d'abord. Ça, c'est le mot de la fin, parce que je crois que j'ai trop parlé. Il faut d'abord être avec une personne où vous vous sentez bien. Naturellement. You need to feel happy and good with that person naturally. No forcing. You need to be yourself. If you are loud and crazy, be loud and crazy around him. Be yourself. Et si tu vois que tu es folle, tu as ton style à toi, tu t'aimes comme ça, eh bien, tu dois être comme ça avec lui. Il n'y a pas raison pourquoi tu devrais changer. Quand une personne demande à ce que vous changez, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il y a des petites choses qui peuvent vous aider dans la vie. Mais s'il s'agit de changer le core value, if you have to change your core value, it's not going to last because this is in you. No one can change that. Donc, la morale de l'histoire pour ce mail noir is you guys, women and men, we are meant to be together. But for a woman to expect for a man is a lot. It sounds a lot, but it's actually not. It's just depending if you respect the person, if you know how to communicate, how you know how to express yourself. Si vous savez parler avec votre autre personne sans vous énerver, si vous savez dire ce que vous aimez, si vous savez dire ce que vous n'aimez pas sans vous disputer, toutes ces petites choses-là, ça va compter dans votre relation. Donc, on a parlé des livres comme Gary Chapman avec The Five Love Language. Est-ce que je dis que je ne dis pas de bêtises encore, parce que en somme français. Donc, le langage de l'amour, en fait, de Gary Chapman. Mais ne vous inquiétez pas, je vais écrire ça dans la description. Comme ça, vous aurez le bouquin. Parce qu'avec ce bouquin-là, avec ce livre-là, vous pourrez avoir tous les tips pour détecter comment on peut montrer de l'amour à l'autre personne. Et souvent, pour ceux qui ne savent pas montrer leur affection, ben ce livre-là va vous aider. Donc, voilà.
Donc, c'est le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On a quand même beaucoup parlé. J'espère que ça va vous apporter énormément. I talk a lot, a lot, a lot, a lot. But guys, you needed to hear it, so I did it. So I hope that this type of thing is going to help you and you're going to share. Don't forget, my people, to like and share the message. And don't forget as well that I am still in YouTube, que je suis aussi sur YouTube. Pour les personnes qui n'aiment pas trop Instagram et qui ont besoin d'entendre ce message, vous pouvez partager aisément, facilement avec YouTube en même la journée. En tout cas, c'était moi, Melmoi, et je vous dis un grand bonsoir et à la semaine prochaine, jeudi, encore sur Instagram Live, 21h30 en UK et 22h30 en France, à Paris. Et by the way, happy birthday to you, Crespo Bastelet. Bisous. Bonsoir.